c'est une continuation de l'effort qui se fait depuis pas mal d'années. Et là, avec Ebony Forest qui est entré avec nous en partnership, c'est une autre phase du travail qui se fait, surtout par rapport à l'olivoata qui est en ce moment probablement l'espèce le plus problématique qu'on a en ce moment. C'est pour ça que là, avec ce travail-là, il y a d'autres choses qui sont faites au niveau national, mais aussi on espère avoir une réunion dans quelques mois avec le plus d'experts possible sur l'espèce pour trouver une solution viable. Et entre-temps, nous avons fait du captive breeding à la verrerie de Rivière-Nord. Là, on va faire le release et le travail est en train de catch-up en termes de pace. Et là, on espère qu'avec tout ce qu'on a appris cette année-ci, par rapport aux problèmes, par rapport aux difficultés, pour la saison prochaine, il y aura plus d'oiseaux qu'on pourra relâcher. Pas seulement ici, mais aussi pour le Brisphère, à Bellum, dans le National Park. Alors, il y a tout le planning par rapport à l'espèce. Donc là, nous relâchons 4 oiseaux. Ces 4 oiseaux-là, c'est quoi? Du moins, c'est juste 4 oiseaux. Mais c'est une grande affaire qui fait parce que l'olivoata est en danger, parce qu'il est restreint, les plus petits oiseaux qui nous en a, et il y a beaucoup de prédation. C'est-à-dire les rats mangent les ben, mordins, ben, jacots, tout cela mange, ça mange, donc faire qui est l'antique. Donc ça, quatre oiseaux-là, pour nous réussir sauf autres, ce qui nous fait aussi, ben, 10 éflats, les autres mangent pour ben, ça, ben, prédateur qui nous fait nommer là. Donc ce qui nous fait, en collaboration avec le Parc National, nous allons nous collecter des d'ISEF dès qu'ils ont fini pour une d'ISEF. Nous amène les dans le centre Gérald Dorel à Rivière-Noire. Là, nous avons une équipe qui fait d'ISEF là incubé. Une fois que petit-là est né, nous commençons à nous nourrir à la main pendant 11 jours. Après 11 jours, quand il est assez grand, il commence à manger pour lui-même, il va envoler. Nous mettons dans une autre cage en dehors pour qu'il est habitué pour envoler. Ensuite, nous transférons à Ebony Forest, que nous gardons pendant 10 à 15 jours pour qu'il y habitué. Après, aujourd'hui, comme on fait là, nous nous relâchons. Donc, le but qui fait nous faire ça, nous relâcher à Ebony Forest, parce qu'à Ebony Forest, nous contrôlons les prédateurs. Nous avons une série de pièges qui contrôlent les rats, les autres prédateurs. Donc, ça fait qu'ils nous espéraient qu'en relâchant ces oiseaux-là, ils pourraient ici et ils ne pas pour prider. Donc, ils peuvent faire un petit et recréer une nouvelle sous-population et qui, dans le futur, ça peut sauver l'espèce. Donc, là, dernière estimation qui remonte à 2014, il y a environ moins que 200 oiseaux. Donc, là, je pense que la population diminue. Mais ce que nous trouvons, quand nous pouvons faire un suivi pour récolter, nous pouvons trouver moins d'oiseaux qui nous pouvons trouver avant. Donc, la population a environ 800 oiseaux. Donc, la population peut bien faire. Mais le problème, c'est qu'il est restreint dans une seule zone. Donc, ce que nous devons faire, c'est créer une autre population aussi. Ce qu'ils ont envie, c'est mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, s'il y a un problème de maladie ou un autre, ils ont envie d'expandre, mettre dans plusieurs endroits. Comme ça, au cas d'une plus grande distribution, s'il y a un problème, il peut affecter moins sa population. Et aussi, on a plus de chance qu'il y ait dans une zone où il y a une plus grande population. Parce que si vous pensez, si vous êtes dans une seule zone ou limitée, aux ressources limitées, si on a dans plusieurs zones, au cas d'une plus grande population.